Je suis le lieutenant de Mbakamara, okay. Fils du général Toutou, personnel. Ok. Guinée-Matin.com vous présente ses condoléances. Nous sommes venus vous rencontrer aujourd'hui, parler du décès de votre papa. Tout d'abord, comme tout fils, je suis plein d'émotion. Je suis touché et... Là, je n'ai pas beaucoup à dire pour ça. Simplement que c'est la volonté de Dieu. Et on reste fort dans la tête, malgré tout. Je me remets à Dieu encore une fois, deux autres. L'émotion est trop forte. Je ne peux pas tout ressortir. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous retenez de votre père, votre papa, général Toto? Tout d'abord, il fut d'abord un grand homme pour ce pays. Il l'a fait. Et il a toujours voulu le bien de ce pays. Il a toujours voulu que le pays évolue dans un sens propre. Ce qui a fait qu'il s'est donné corps et âme pour ce travail. Donc, c'était quelqu'un de grand. Pour moi, c'était quelqu'un de grand. Quelqu'un de sévère, certes, mais très gentil. Et bon, je suis plein de souvenirs, bien sûr, bébé. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'était un grand homme pour ce pays. Un grand ouvrage, un grand livre qui est parti. Donc, je peux dire quelque chose sur lui. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, il est parti, il a créé un vide au sein de la famille. Comment est-ce que la famille se porte aujourd'hui? Selon votre remarque, grâce, votre compte. Grâce à Dieu, tout le monde reste serein. Parce qu'on ne peut rien. C'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, vraiment, on garde le sang. Et parle-nous en particulier un peu de général Toto. Il est natif d'où? Il est décédé à quel âge? Il a combien de femmes? Il a combien d'enfants? Il est natif de Boké. Boké? Oui. D'accord. Et il a deux femmes, trois enfants. D'accord. J'ai deux grandes soeurs. Donc vous êtes le seul fils, le seul garçon du général? Oui. D'accord. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Tout ce que je peux ajouter, c'est d'abord remercier tous les gens qui nous ont soutenus depuis, disons, sa maladie, depuis aussi l'avènement de cet événement douloureux. Donc, vraiment merci à tout le monde. Merci à tous qui ont participé. Tous qui n'ont pas eu le temps de participer, je remercie tout le monde. Principalement le professeur Fakonde, mon excellence professeur Fakonde, qui n'a pas dénié de mettre en exergue le sentiment qu'il avait avec le général. Et merci à tous les membres du gouvernement pour leur assistance, pour leur soutien moral.